Bon matin, j'ai décidé de vous commencer un vlog avec mes petits yeux. J'ai pas mis de make-up aujourd'hui, ça va être une journée, je pense, peut-être un petit peu de mascara tantôt pour le mocktail d'arrivée. C'est le jour de la retraite, c'est vendredi 13 mai. On espère qu'il n'y aura pas de malheur qui va arriver le vendredi 13. Mais non, j'ai vraiment, je suis convaincue que ça va être super cool. Là, j'ai tout planifié mes affaires, j'ai fait un méga ménage de mon char parce que je monte avec Evicky et Mel dans mon auto. Puis pour vrai, on a tellement de stock que je sais pas comment ça va rentrer. On va avoir du stock sur nous pour de vrai, comme ça n'a pas d'allure. Fait que j'ai fait un méga ménage de mon auto, ménage de la maison pour que Oli n'aille pas à faire ça ce week-end. Parce que lui va s'occuper de d'autres choses ce week-end. Je suis en train de regarder, il y a des petits, genre ça là, qui tombent. Puis j'ai mis mon café à terre. Pas attention. Mais c'est ça. J'ai fini dans le fond de tout ce qui est préparé comme le stock qui n'est pas du frigidaire. Puis je vais vraiment rien oublier. Tu sais, comme je vais amener des t-shirts Hot and Sweat, des casquettes, des sacs pécan. Si des gens veulent, tu sais, en avoir sans avoir à payer les frais de livraison. J'ai prévu comme blender au cas où que là-bas il n'y avait pas des bons blenders puis que pour les smoothies. En tout cas, vraiment, j'avais fait une grosse liste. Il me reste à faire mes bagages comme personnel. Donc ça, je vais les faire tantôt. Là, je me suis dit que je me prendrais une... Bref, je suis debout depuis 5 heures pile. Oh non, pfiou. Ça a évité mon café de peu. Je suis debout depuis 5 heures pile puis je me suis levée sans cadran. Sûrement d'énervement, justement. Puis... j'ai comme eu un down là, parce que j'ai été go-go-go depuis ce matin, j'ai genre pas arrêté. J'ai été prendre une marche par exemple, mais c'est parce que ça va être mon seul exercice avec le yoga de ce soir. Puis c'est ça, j'ai été prendre une marche, j'ai mangé un immense, immense déjeuner. Genre du moment vers 10h30, j'ai comme une fin de collation, mais là j'ai dû manger comme, pour vrai, mon déjeuner devait être de 700 calories. Je compte pas les calories là, mais j'avais tellement faim là, fait que j'en ai profité pour manger, j'écoute mon corps. Puis, ça, après ça, je fais du ménage. J'ai tout vérifié qu'on avait tout, que tout était beau, tout était prêt. Puis, je m'accorde un petit moment pour lire sur ma Kobo à l'extérieur. Je commence un nouveau livre. Je pense que ça s'appelle Promets-moi le bonheur. J'ai jamais lu de cet auteur-là. C'est Sandra quelque chose. Je pourrais vous le mettre en description si c'est bon. J'ai pas encore commencé. Fait que je m'accordais un genre de. Une demi-heure de pause au soleil parce que ce week-end dans le fond c'est ça, oui c'est une retraite puis oui c'est supposé être comme des semi-vacances, mais moi ça sera pas tant des vacances là, je pense que ça va être très drainant psychologiquement, ça va m'en demander beaucoup, tu sais, c'est de l'organisation, que tout le monde est bien, tu sais, le but c'est que les gens qui viennent à la retraite, eux, aillent à penser à rien, mais en échange faut que moi et Vicky on pense à tout. Fait que c'est ça, j'ai confiance là, qu'on a tellement bien organisé ça puis tout ça. C'est juste que ça va me prendre beaucoup d'énergie. Fait que là, je m'accorde. J'aime sentir les oiseaux. Je m'accorde un petit moment à moi avant que. Parce qu'on part à 1h. Fait que de 1h aujourd'hui à 3h dimanche, je vais être non-stop. Fait que là, petit moment calme dehors. Puis il fait tellement beau, ça fait tellement du bien. Donc, je vous reprends tantôt quand je vais être en train de pacter mon char. J'ai l'impression que c'est genre le sac de l'influenceur ou de la personne qui traîne plein de choses. Genre, mon ring light, il rentre dedans parfaitement. J'ai aussi amené un autre trépied pour comme plus petit portatif. Mon tableau pour écrire mes workouts. Mon ordi est comme dans la pochette. Genre, excusez-moi, on va ouvrir plus. Pochette en arrière ici. Ma liseuse électronique. Mon petit cahier. Prendre des notes. J'ai genre tout mis mes chargeurs, puis tout rentre. Ici, j'ai mis mes écouteurs avec mon adapteur pour mon ordi. Portefeuille dans la pochette en avant, puis j'ai un gros portefeuille. Là. Fait que vraiment, là, ce sac, c'est fou comment il rentre de stock dedans. On va y arriver. Tu peux en mettre une peut-être dans le char. Ouais, peut-être comme la petite Jeannette qui est en haut. C'est là, super un prix. Cheers!
J'ai adoré les workouts en gang. Je suis habituée de m'entraîner toute seule dans mon sous-sol puis avoir l'énergie de tout le monde. J'ai eu le sourire en face tout le long. Genre 30 minutes a passé comme en 10 minutes. C'était vraiment le fun. Le yoga avec Léonie. En fait, je pense que c'est l'ensemble de la retraite, autant au niveau de nourriture, le monde, les humains, la connexion qu'on a eue ensemble. On a sué, on a ri, on a pleuré, c'était le fun. Mon moment préféré de la retraite, ça a été la rencontre avec des purs inconnus. Mon moment préféré, ça a été l'atelier de Vicky quand on a pu écrire nos peurs puis les laisser aller par la suite. Mm-hmm. Je pense que c'est impossible à répondre. Mm-hmm. C'est les ateliers, les trainings, juste les moments où on était juste ensemble puis on faisait juste parler. Tout ça, là, c'était incroyable. Je pense que c'est l'atelier de mindset avec Vicky, ça m'a permis de beaucoup. Évacuer de choses et réaliser beaucoup de choses aussi. Je dirais la randonnée. Ben, je pense que c'est vraiment les entraînements. Ça m'a permis de me dépasser et d'aller au-dessus de mes limites mentales. C'est très cool. Je dirais l'activité de mindset. Ça nous a sorti de notre zone de confort. Puis je pense que les gens après ça, ils ont pu s'ouvrir et parler de leur expérience personnelle. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Puis ça nous a vraiment rapprochés pour le reste de la retraite, donc, je pense. Je dirais l'atelier mindset, vraiment, là, au niveau des peurs, c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus. Là. Ça m'a fait évacuer beaucoup de choses. Le moment préféré, c'est dur à dire, c'est comme vraiment plus un tout, mais je dirais, j'avais une activité, c'est la première, de la première journée quand on est arrivé vendredi, c'était le tissage des liens avec la boule de laine. Donc ça, c'était super parce qu'on pouvait voir, en fait, les personnes avec qui on avait des points en commun pour poursuivre, en fait, le week-end. Fait que c'était bien, mais sinon, tous les ateliers étaient vraiment, vraiment super. Pouvoir être 100% moi-même avec des gens que je connaissais pas, puis rencontrer des gens qui s'entraînent avec moi que je n'avais jamais vu, pour moi c'est la meilleure chose au monde. J'ai envie de dire, oh my god, j'ai tellement aimé de choses. Ben, rencontrer les humains avec qui on allait passer le week-end. J'ai aimé les conversations tard le soir dans la chambre, puis j'ai aimé la variété de nourriture qu'on a mangé. Chaque repas, pour moi, les moments où on se rassemble tout le monde autour de la table, c'est toujours des moments sacrés. Oui, puis j'ajouterais aussi que j'étais très hésitante au début parce que je croyais arriver ici toute seule, sans connaître personne, en me disant « je suis trop gênée pour faire ça ». Puis finalement, ben, tout le monde est arrivé toute seule, puis on s'était toutes dit la même chose, fait que ça a créé des super de beaux liens. Fait que je dirais, si vous avez peur de vous inscrire toute seule, moi je suis comme, go, allez-y, vous le regretterez pas. Oui, et j'aimerais ça de même venir avec une amie, éventuellement. Retraite à d'autres personnes. Ben oui. Oui. Je recommanderais la retraite à toutes mes proches. Oui, absolument, je recommande la retraite à tout le monde. Certainement. Oui. C'est sûr, s'il y en a une autre, je reviens puis j'amène quelqu'un ou j'envoie quelqu'un, ma soeur, mes amis, c'est ça. Sans hésiter. Définitivement. Puis je le referai. Absolument. Même les personnes qui prônent pas à la base nécessairement à tout le mindset, la santé, le bien-être, je pense que tu ressors d'ici différent, évolue. Tu évolues. Ah, définitivement. Même. Les gens qui pensent être déjà développés, on peut tout le temps en apprendre plus. Fait que je recommanderais ça à n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quel groupe, que tu fasses du fitness ou non, que c'est vraiment enrichissant. Là. Puis ça fait des connaissances, puis tellement, ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. Absolument. Ça, c'est sûr que je recommande la retraite à n'importe qui. Puis je dirais surtout de ne pas avoir peur d'y aller seule pour sortir de sa zone de confort, puis vraiment. Découvrir de nouvelles personnes. Oui, définitivement. Ouais. Merci. Amitié, repos et extraordinaire. Communauté, dépassement,
Calme. Dépassement de soi. Oui. Connexion. Okay. Puis l'autre. Je dirais. Engagement. Mm-hmm. Mm. Cool. Liberté, zénitude, bien-être. Je dirais douceur, action et amour. Je dirais que je ressors groundée, que j'ai plein d'outils, fait que je suis pleine de ressources. Ouais. Puis pleine d'amour aussi. Ressourçante, prise de conscience et bienveillance. Reposante, ressourçante et pleine de découvertes. Bien-être, simplicité, amitié. Amitié. Reconnaissance. Et. Waouh! J'en ai tellement plus que trois. Et. Waouh! Non, mais c'est magique. Magique, c'est un beau mot, ça. Ouais. Plaisir. J'avais. Confiance. Puis libération. Je dirais bienveillance, lâcher prise et je dirais bien-être. Énergisante, paix, puis mouvement. Sortir de ma zone de confort. Fun, gros fun, gros plaisir, tout ce que je pensais. Puis, à refaire. Ouh! Aïe, 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 on a un scoop! Voilà. Donc, si je la recommanderais, ben oui, parce qu'il faut la refaire. Voilà. Donc, je voulais vous faire un petit retour sur la retraite. Là, on est lundi, le 16 mai, donc la retraite, elle est terminée. On n'a pas tant filmé que ça, on a vraiment profité du moment présent, pour être bien honnête. Mais on a quand même des témoignages de certaines personnes que je vais pas vous mettre justement dans la vidéo. J'ai pas de mots pour de vrai. Le mot qui me vient en tête, c'est comme merci. Tu sais, genre merci à la vie de m'avoir permis de vivre ça, d'avoir rencontré des personnes comme vraiment exceptionnelles. Pour faire un petit topo de ce qu'on a fait, le vendredi, dans le fond, on avait un mocktail. Après ça, tout le monde arrivait, on s'est rencontrés, puis ça, on a fait un genre de petit jeu pour comme tisser des liens. On a eu un souper traiteur, on a eu un yoga de Léonie, un yoga genre de 1h15, ultra relaxant pour comme avant d'aller dormir, c'était insane. Après ça, le samedi, levé vraiment tôt, on les a levés à 5h pour aller partir en randonnée à 5h30. On avait vraiment, par exemple, de l'énergie, on a pris les petits jus de dose, les espèces de shots, et mon Dieu, ça nous a comme parti. Puis on a eu de la super belle température, on a fait une randonnée de 3h, un petit peu de on s'est perdu un petit peu en chemin, mais en tout cas, on a fini par revenir. On a fait un déjeuner avec les smoothies Evie, vraiment comme des smoothie bowls. On avait amené comme tout ce qu'il fallait pour genre les faire une espèce de buffet à comme décoration de smoothie bowls. C'était excessivement bon, tout le monde a trippé. Puis on avait un atelier de nutrition, on a mangé après ça du fit gastronomie, on a eu des pauses pour comme aller prendre du soleil dehors. Il faisait genre 32 degrés, c'était fou comment on était chanceux pour ça. Puis après ça, on a eu un atelier de mindset qui a vraiment été plus populaire qu'on s'y attendait, dans le sens que les gens ont vraiment super bien participé, ils ont vraiment aimé ça. Beaucoup de monde dans les témoignages ont dit que c'était leur activité préférée, parce que justement, ça comme les a fait réfléchir autrement. Puis tu sais, c'est rare que tu prends un samedi après-midi pour comme réfléchir à comment tu te sens, puis en tout cas à ces choses-là, mais... J'ai pas envie de le décrire, l'activité, parce que si vous voulez participer à la prochaine retraite, je veux que vous puissiez le vivre sans avoir comme une appréhension. Après, on a eu un workout de bras et d'abs, qui était très efficace. On a eu un bon souper, encore une fois, traiteur le samedi soir. Puis après ça, on a joué à un jeu. Dites-vous que je les ai réveillés à 5h, puis on s'est couché à 11h, tellement que le jeu, comme on a embarqué dedans, puis tout ça... C'était vraiment le fun. Le dimanche, on les a laissés dormir comme plus longtemps, faire la grasse matinée un peu. On a mangé ce matin-là, le dimanche, c'était un buffet déjeuner, mais de gruau, granola, yogourt, avec encore une fois plein de fruits, tout ça. Puis après ça, on a eu un workout, un pilates qui était vraiment intense. On avait tellement du fun, c'était tellement fun en gang. Moi, j'ai pas l'habitude d'entraîner une gang, je le fais à distance.
Donc, c'était vraiment, vraiment cool de voir les gens, de pouvoir les encourager, de pouvoir comme avoir une réaction, puis tout ça. Donc, vraiment trippant. Puis, c'est ça, après ça, on avait un goûter avec plein de légumes, fromages, charcuterie, craquelin, puis tout ça, de gastro, fruits et légumes. Puis, on a fait comme une espèce de petite rétrospective de la fin de semaine. Qu'est-ce qui est ressorti de la fin de semaine pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont comme... avec quoi ils repartent et tout ça. Donc, vraiment une belle fin de semaine. Comme, pour vrai, là, on annonce, en fait, je vais vous le dire tout de suite, la prochaine retraite va être à la fin août, le 19, 20, 21 août. On ne donne pas plus d'informations parce qu'on a juste décidé, moi puis Vicky, on avait une date en commun qu'on pouvait le faire, mais on n'a rien d'autre de décidé. Peut-être que les activités vont être différentes, peut-être que comme les commentaires vont être différents, mais c'est sûr que ça va être autant le fun, sinon plus, parce que justement, on va avoir une expérience. Puis, si vous voulez, dans le fond, participer à cette retraite-là, il faut envoyer un message à retraite@shotandshot.ca, donc par courriel, puis pour démontrer votre intérêt. Puis les personnes qui ont démontré leur intérêt, d'ici une couple de jours, on va pouvoir confirmer justement l'endroit, puis le coût, puis tout ça. Puis, vous allez pouvoir faire votre dépôt dans les jours à venir pour confirmer votre présence. Considérant la première retraite, quand j'ai publié sur Instagram comme qui serait intéressé à venir à la deuxième puis qui va vraiment venir à la deuxième, j'ai eu au-dessus de 100 réponses positives. Donc si ça vous intéresse, comme niaisez pas. Je pense que la première, les gens, c'était comme un peu comme nouveau puis tout ça, mais là, je pense que les prochaines vont vraiment se booker rapidement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, c'est ça, c'était magique. Pour vrai, j'ai pas d'autres mots, c'était waouh, c'était magique. C'est ça, j'en ferais à tous les mois si je pouvais, là. C'est juste que maintenant, c'est difficile d'avoir des fins de semaine comme de libre à chaque mois pour ça. Mais je promets d'en faire régulièrement, je vous le promets, parce que j'ai trop aimé ça. Puis ça amène trop de bon, puis moi, amener du bon à d'autres êtres humains, c'est ma mission de vie. Fait que, voilà! J'espère que vous avez aimé mon vlog. J'espère que ça vous a donné le goût de participer. Puis je vais vous revenir avec un autre vlog qui va être plus personnel dans les prochains jours. Je vais recommencer à filmer un peu mon day-to-day. Puis vous montrer, surtout avec la tournée Heart and Sweat qui commence, tout ça, vous montrer un peu ce qui se passe dans ma vie. Donc merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter. Et on attend vos inscriptions pour la prochaine retraite. Bye bye!